je m'appelle Émilie Taubati. Je suis technico-commerciale chez Chimirex Centre-Est, qui est une société qui fait de la collecte et du traitement de déchets industriels dangereux pour les entreprises de l'automobile. Le groupe Chimirex recherche sans relâche de nouvelles technologies pour la valorisation des déchets. Sur certains sites, on fait également des préparations de déchets qui sont ensuite incinérés en cimenterie, donc avec valorisation énergétique. Ce salon, à ma connaissance, est le premier localement. Ça permet de rencontrer vraiment les clients et les échanges sont peut-être plus fructueux. Je m'appelle Stéphane Bénard, je suis le responsable logistique de la ressourcerie Tri, qui travaille en tant que ressourcerie, mais aussi en blanchisserie, environnement, et qui est on est 80 salariés, dont une cinquantaine de salariés en insertion. Donc nous, on a un contrat avec le cyber, où tous les matins, j'envoie des ressourciers sur les déchetteries pour récupérer tout ce qui est valorisable dans les déchetteries, pour revenir dans notre entrepôt, où là, on stocke, on valorise et on revend derrière. J'ai repéré 2-3 autres partenaires que je n'ai pas encore et que je vais les démarcher ou que j'ai déjà démarché pour voir quel partenariat on peut faire. Pour l'instant, à Tri, dans le recyclage, il n'y a que 3% qui partent à l'enfouissement et on a un bon objectif de passer en dessous des 1%. Je suis Virginie Erranet, je suis la responsable d'activité d'Envie Franche-Comté. On donne une seconde vie donc aux appareils électroménagers. On va utiliser 2-3 appareils pour en refaire un. L'évolution, le projet d'Envie, du groupe Envie, c'est vraiment Envie Autonomie. On récupère tout le matériel médical pour pouvoir offrir là aussi des aides techniques rénovées aux personnes qui n'ont pas les budgets pour en acquérir des neufs. Donc on a rencontré des partenaires, on se connaît la plupart du temps déjà, mais c'est de renouer en fait un peu les échanges, de voir l'évolution de chacun dans ses pratiques. Je m'appelle Cédric Girardot, donc je suis consultant en éco-conception pour la société CEDD. Donc je conseille les entreprises et je réalise des prestations pour elles d'analyse de cycle de vie, c'est-à-dire penser d'abord le produit pour qu'il soit mieux valorisé en fin de vie et faire moins de déchets du coup. C'est l'opportunité de dialoguer, d'identifier peut-être des entreprises qui n'étaient pas forcément notre cœur de cible au départ. Magali Kennel, le réseau Coxy, donc on est une entreprise alsacienne, on est basé à côté de Colmar. Donc le cœur de notre métier en fait c'est la distribution de produits d'hygiène. Puis on a nos propres livreurs qui viennent en fait livrer les produits d'entretien chez nos clients et on profite en fait de ce passage pour optimiser le retour à vide et on propose donc à nos clients d'organiser le tri. Notre volonté en fait c'est de nous faire connaître tout simplement avec un métier et donner un sens en fait à nos clients. Je suis Philippe Guinaud, je suis le secrétaire général de l'Institut européen de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Donc, l'Institut a pour mission de faire la promotion d'un modèle économique qu'on appelle économie de la fonctionnalité et de la coopération. C'est un modèle pertinent pour le développement durable. On veut produire plus de valeur avec moins de matière. Les entreprises qu'on rencontre à la récupération de salon sont curieuses de savoir quel modèle économique ils peuvent mettre en place pour améliorer ou pour développer leur appétence pour le développement durable. Geoffrey Louiseau, je suis le fils du dirigeant du groupe Louiseau, une petite entreprise familiale qui est basée à Marnay, en frontière de la Haute-Saônée du Doubs. Nous réalisons donc 3 activités, la collecte de déchets pour le compte de collectivité via des marchés publics, du transport de déchets et du tri et traitement de déchets industriels, carton, papier, plastique, que nous ramenons sur notre centre de tri de Besançon. La deuxième activité du groupe, c'est le conditionnement de déchets itinérants, donc la société Prestabal. Et la troisième activité du groupe, c'est le concassage mobile, société France Concassage. Il y a encore plein de petites entreprises qui ne trient certainement pas bien leurs déchets et à qui on peut apporter des solutions. Aujourd'hui, il y a des déchets qui n'ont pas encore leur solution technique de recyclage propre, mais on tend, nous, vers le moins de déchets possible en enfouissement.